Bonjour tout le monde, bienvenue chez Mildor Violon pour nos webinaires en direct qu'on fait à chaque semaine. Euh, si vous pouvez le croire, jusqu'à il y a deux secondes, euh, j'étais incapable de voir, de voir le chat. Euh, donc, c'est-à-dire, j'étais incapable de voir vos messages qui apparaissaient il y a littéralement deux secondes avant que je paye sur le bouton pour que vous voyez l'intro arriver. Euh, C'était impossible. Et là, soudainement, je vois Bonjour Jean-François! Euh, euh, un beau sourire d'Avignon sur le sud de la France, sur le pont, on y danse, on y danse. <laughs> Parfait! Bonjour Marie, -Marie Blanche! Euh, bonjour à Saad, qui vient de s'ajouter aussi. Euh, je vais vous dire que j'étais assez stressé de voir qu'à deux secondes d'entrée de <laughs> euh, live, je ne pouvais pas vous voir, mais... Voilà, c'est fait. Euh, bonjour Martine, coucou euh, en vacances je me présente. Bonjour Martine. Euh, vraiment content d'être avec vous encore cette semaine. Euh, et je vous explique pour ceux qui c'est la première fois que vous voyez le webinaire. Euh, à chaque semaine, comme ça, je fais, dans le fond, un, une, euh, une petite présentation où on, on parle d'un sujet relié au violon. Donc, c'est un séminaire en direct, c'est pour ça qu'on appelle ça un webinaire. Et cette semaine, le sujet du webinaire, c'est les signes musicaux de base. Bon, on faut s'entendre, les signes musicaux, il y en a une tonne et quart. Aujourd'hui, j'en ai sélectionné quelques-uns. Et puis, ce que je veux, dans le fond, c'est pouvoir euh, vous, euh, vous donner cette capacité-là de pouvoir regarder la musique et mieux la comprendre. Il y a une coupe de temps. Il euh, y a quelqu'un qui m'écrit et qui me dit, Jean-François, euh, tu sais, la lecture musicale, c'est difficile. Est-ce que ce serait possible pour toi de nous montrer comment jouer sans nécessairement lire la musique? Euh, bien que oui, je peux éventuellement faire un webinaire sur comment improviser au violon. Euh, ma mission en tant que, que professeur de violon et avec Mildor Violon, justement, qui est le premier site euh, Internet à vous offrir des cours entièrement sur euh, le web. Euh, Bien, ma mission, c'est de vous permettre d'avoir ce pouvoir-là, de, de pouvoir par vous-même euh, apprendre la musique, pouvoir euh, faire qu ce que vous voulez faire, justement. Donc, plutôt que de dire, OK, je vais essayer de faire des webinaires pour ceux qui se sentiraient pas à l'aise à faire de la lecture musicale, au contraire, ce que je préfère faire, c'est vous permettre d'apprendre à lire la musique. Et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Euh, on ne fera pas de la lecture en tant que telle, mais on va regarder les différents signes qui viennent composer vos pièces. Pour un peu plus comprendre comment, justement, une partition va être écrite. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui écrivent. Euh, bonjour à Baptiste, bien le bonjour de Belgique, bonjour Delphine. Je suis très content de vous voir semaine après semaine parce que je, je reconnais les noms qui, qui reviennent à toutes les semaines. C'est toujours un, pla un plaisir et un privilège pour moi d'être avec vous puis de partager cette heure-là ensemble. Euh, Aujourd'hui, ça risque d'être une version un tout petit peu plus écourtée du webinaire que d'habitude. Euh, on parle peut-être d'une quinzaine de minutes parce que euh, mon épouse, euh, elle fait de la compétition euh, avec les chiens et elle doit partir comme assez quand je vais avoir terminé. Là. Donc on est assez juste, si vous voulez. Donc je voulais vous dire ça. Donc à chaque dimanche pour euh, les nouveaux euh, venus ici, on a, euh, on a cette chance-là de discuter ensemble. Vous avez un professeur qui va répondre à vos questions. Donc euh, soyez là, restez des notes et puis euh, comme ça, semaine après semaine, on va pouvoir vous aider dans le fond à avoir du plaisir à jouer au violon. Aujourd'hui, il y a quelques petites choses spéciales. Je vous ai parlé du fait que j'avais un peu de difficulté à écrire, euh, à, à vous voir sur le chat. Euh, il y a même deux secondes avant d'arriver au live. Euh, il y a une autre problématique. Sur le site mildorviolon.com, en ce moment même, euh, vous ne voyez pas, euh, ben, les gens ne peuvent pas voir le direct. Euh, C'est une problématique qu'on a avec un de nos de, de nos fournisseurs, euh, mais ça devrait être rétabli la semaine prochaine. Euh, voilà, de, les gens sont déjà redirigés de toute façon sur notre compte YouTube pour l'instant. Euh, et je voulais aussi vous dire ceux qui nous voient en ce moment à partir du groupe Facebook Violoniste débutant. Euh, comme à chaque semaine, j'aime bien vous le répéter, si vous voulez que je puisse vous répondre puis euh, dans le fond répondre à vos questions par rapport au violon, euh, il faut que vous passiez à euh, la page Facebook de Mildor Violon. Donc, allez là-dessus, euh, et puis à ce moment-là, vous allez pouvoir écrire, et moi, je vais pouvoir regarder qu qu'est-ce qu que vous écrivez. Donc, sans plus attendre, voilà, c'était beaucoup de, de préparation pour vous dire que je suis très content d'être avec vous, et on commence avec euh, la, la théorie de cette semaine, en fait. Donc, je vais vous montrer ceci un petit tableau que j'ai fait hier soir, <laughs> assez facilement, et ce sont toutes euh, des symboles, des signes musicaux. Euh, qu'on euh, qu va rencontrer en musique et aujourd'hui on va en parler de, tout, de tous ces signes-là. Donc je les ai classés en catégories euh, A, B, C, D, E pour que vous puissiez euh, dans le fond un peu plus euh, comprendre leur relation entre eux. Donc commençons avec l'encadré A. Euh, la première chose qu'on peut remarquer euh, c'est euh, les cinq lignes parallèles. Bon. Je pense que vous devez connaître ça. C'est là où -ce on va poser les notes en musique. Ce qu'il faut savoir, c'est que, et ça on appelle ça la portée. La portée, originellement, elle avait 11 lignes, et non 5. En fait, les 11 lignes permettaient de voir, euh, je dirais, le, le, la majeure partie euh, des notes qui sont possibles euh, d'être effectuées, dans le fond, par la voix humaine. Donc, et la, la problématique qu'on avait, par exemple, avec 11 lignes, c'est qu'on a déjà assez de difficulté à distinguer la troisième de la quatrième ligne euh, en ce moment même quand on lit la, la musique. imaginée avec 11 lignes. Euh, et une autre problématique qu'on avait, c'est que les instruments aigus ou les voix aiguës euh, avaient des notes qui étaient toujours dans le haut. Les, notes, euh, les instruments graves ou les voix graves avaient toujours des notes qui étaient écrites dans le bas. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a scindé en deux. Euh, la grande portée de 11 lignes qu'on avait au départ, et on en a fait trois portées. Donc, les cinq lignes du haut, ont, pour pouvoir les identifier comme étant les notes aiguës, on, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rajouté une clé de sol. Donc, si vous voyez la première des trois portées que vous voyez, celle du haut, euh, vous avez, euh, vous avez euh, bon, la clé qui ressemble un peu à un G. Il faut avoir un peu d'imagination, euh, mais imaginez un G stylisé. Et pourquoi un G? Parce que G, ça veut dire « sol », justement. Donc, ce G stylisé-là vient s'enrouler autour de la deuxième ligne. Donc, les lignes, on commence toujours à les compter euh, à partir du bas. Donc, euh, la ligne du bas, c'est la ligne 1, celle au-dessus, dessus, au c'est la ligne 2, etc. Donc, les cinq lignes, c'est 1, 2, 3, 4, 5, à partir du bas. Donc, ce... La clé de sol vient s'enrouler autour de la deuxième ligne et s'enroulant autour de la deuxième ligne, elle vient nous indiquer justement que la deuxième ligne, la note qu'on va y poser, ça va être un sol justement. Donc c'est pour ça aussi qu'on a cette forme là. C'est comme, comme un G stylisé. Ensuite, la deuxième, ok, on a pris les cinq lignes centrales parmi les onze lignes qu'on avait au départ et on voit qu'elle est symétrique, cette clé-là qu'on voit. Et c'est la clé de Do ou la clé d'Ut. Ut étant l'ancien nom, si vous voulez, qu'on donnait à la clé de Do. Et euh, comme on peut voir, elle est symétrique et c'est la ligne du centre, si vous voulez, qui est le point d'intérêt. Pourquoi? Parce que la note qui va être dans le centre, on va l'appeler Do. Et la clé euh, du bas, donc euh, la portée du bas, ce sont dans les 11 lignes qu'on avait originellement pour la portée. Les cinq lignes les plus graves, et euh, c'est un F stylisé, F pour Fa, et on voit qu'il y a deux petits points euh, de chaque côté de la euh, quatrième ligne, et donc cette ligne-là va s'appeler Fa. Donc je reviens à moi, je vais vous expliquer un petit quelque chose. Euh, la problématique qu'on a, c'est que chaque clé, va donc parler soit des notes aiguës, des notes centrales ou des notes graves. Et chaque clé donnant à une ligne un nom particulier, bien, cette ligne-là ou, ou cet espace-là, euh, espace non, c'est toujours une ligne, cette ligne-là, la note qu'on va y apposer dessus, bien, ça va être justement, elle, elle va être nommée, exemple, la clé de sol sur autour de la deuxième ligne, la note qui va être dessus, ça va s'appeler « sol ». Par contre, si vous regardez sur les autres portées et que vous faites le calcul, à partir du exemple, l'endroit où ce que le, le Fa va se, se poser pour la clé de Fa, bien à ce moment-là, si on redescend, on va retrouver la même ligne qu'on avait en clé de Sol. Ce ne, ce ne sera pas un Sol, c'est un Si. Bref, tout ça pour vous dire que les différentes clés vont donner des noms de notes différents aux mêmes lignes ou aux mêmes interlignes. Ce qui fait en sorte qu'on a besoin de savoir dans quelle clé on va être pour pouvoir savoir si on peut vraiment jouer cette pièce. J'explique aussi une autre chose. Si vous vous habituez, exemple, au violon, on, on lit toujours en clé de sol. Donc, on va être habitué quand on voit que la note est sur la deuxième ligne, on va placer notre doigt. Quand elle est sur la troisième ligne, on va placer tel autre doigt, etc. etc. La problématique, c'est que si à un moment donné, quelqu'un nous donne une partition, exemple, vous avez un, un ami qui est tromboniste. Lui, il va être en clé de fa. Okay, parce qu'il fait des notes graves. Mais on pourrait se dire Ah, oh, ben regarde, c'est une partition, je vais simplement prendre sa partition, regarder la note et jouer sa note. Mais la problématique que vous allez avoir, c'est que justement, la note qui est écrite, que vous allez voir comme étant un Sol, ce ne sera pas un Sol, ça va être un Si. Parce qu'il n'y a pas la même clé. Et c'est ça qu'il faut retenir. La clé, dans le fond, essentiellement, dans la vie au quotidien, elle vient nous indiquer si oui ou non, on peut jouer telle partition parce qu'on va reconnaître les bonnes notes ou on va reconnaître les mauvaises notes. Bien sûr, vous allez me dire, ben, si on sait lire la clé de faire, on est capable de compenser et puis de dire, OK, c'est ce doigt-là plutôt que celui-ci. C'est ce qu'on appelle faire de la transposition à vue ou tout simplement être assez brillant pour pouvoir dire, ça c'est un fa, je vais le faire comme ça. Par contre, ça ne sera jamais le fait qui a été demandé par le compositeur. Parce qu'on sait si exemple... La partition est en clé de Fa, le compositeur voulait que ça soit des instruments graves. Si la, la partition est écrite en clé de Sol, il voulait que ça soit fait par des instruments ou des voix aiguës. Donc, ça ne sera pas le même Fa, mais ça va faire la bonne mélodie. Tout ça pour vous dire, regardez toujours la clé, parce que c'est cette, euh, cette clé qui va vous dire si vous allez pouvoir jouer au violon. Euh, et qu'est-ce que je voulais vous dire aussi par rapport à la clé? Hum, hum, hum. Un petit blanc ici. Je ne sais pas, ça va peut-être me revenir. Bref, il faut toujours regarder la clé avant de commencer. Et je reviens au tableau. Donc, on regarde maintenant l'encadré le, B. Et euh, en fait, non, je vais, je vais aller tout de suite à l'encadré C parce que je pense que ça va être plus, euh, plus intéressant comme ça. Donc, l'encadré C, ce sont les notes et les silences que vous allez retrouver en musique. Maintenant, si on regarde de droite à gauche, si vous allez sur la ligne du bas, vous allez voir les figures de notes. Les figures de notes, donc celle qui est le plus en bas à droite, c'est euh, la ronde, celle juste à gauche, la blanche, juste à gauche, la noire, juste à gauche, la croche, ensuite la double croche et finalement la triple croche. Et comme on l'a vu, euh, dans une, euh, un webinaire passé, euh, la relation de droite à gauche, comme ça, c'est toujours deux fois plus euh, ou deux fois moins. En fait, deux fois, la ronde vaut va deux fois plus en termes de durée que la blanche. La blanche vaut deux fois plus en termes de durée que la noire. Ou à l'inverse, on peut dire que dans une blanche, on peut mettre deux noires. Dans une ronde, on peut mettre deux blanches. Donc, ça, on l'a vu dans un autre webinaire, donc je, je ne fer, referai pas euh, tout le parcours. Ce que je voulais vous montrer, qu'on n'avait pas vu nécessairement la dernière fois, c'est l'équivalence euh, des silences. Donc, au-dessus de chacune des figures de notes, vous avez les silences que vous allez retrouver. Donc, au-dessus de la ronde, vous avez une ronde qui, euh, et là, je, je mets ça vraiment en parenthèse parce que je vous en avais parlé la dernière fois, ce n'est pas toujours le cas. Disons que la ronde vaut quatre temps. Okay, parce que c'est ce qu'on rencontre le plus souvent. Donc, la ronde vaut quatre temps, donc quatre clics, si vous, voyez, si vous voulez, quand vous, vous faites jouer votre métronome. Au-dessus de la ronde, vous avez l'équivalent, mais en termes de silence. Quand vous rencontrez ce silence-là, qui se trouve à être la pause, bien, vous allez faire quatre temps de silence. Si on s'en va au niveau de la blanche, donc. Euh, la deuxième à partir du bas, celle, la, la figure de silence qui est juste au-dessus, on va appeler ça la demi pause. Et c'est l'équivalent d'une blanche. Donc, si une blanche vaut deux temps, de manière générale, on va avoir ici un silence qui vaut deux temps. Ensuite, on a la noire et juste au-dessus, on a euh, le soupir. On a aussi... En fait, euh, je prends un petit euh, deux secondes pour vous dire, ça serait peut-être une bonne chose de, de prendre... Euh, en photo sur votre téléphone, euh, l'écran que vous voyez actuellement. Ça va vous permettre justement de, de peut-être réviser à la maison. Donc, la noire au-dessus, on voit un soupir. Ensuite, on a une croche et on, juste au-dessus, on a un demi-soupir. Remarquez bien, il y a une queue à la croche comme il y a une ligne pour ce qui est du, euh, du petit 7, si vous voulez, du demi-soupir. OK? Euh, si on s'en va à gauche de ça, on a une deux, double croche qui a deux queues. Et si vous remarquez au-dessus, le quart de soupir, qui est l'équivalent, a deux petites lignes sur le 7, si vous voulez. Même chose à gauche, vous avez une triple croche qui a trois queues. Et au-dessus, l'équivalent, en termes de figure de silence, c'est euh, le huitième de soupir et on a trois petites queues. Donc vous voyez un peu ça, ce sont les équivalents. Vous avez. Ah, oh, et l'autre chose que je voulais vous dire par rapport à, à ça, les deux, euh, les deux petits rectangles à droite, euh, ils sont similaires et ils peuvent être malheureusement euh, confondus assez souvent euh, en musique. Et le truc est le suivant. Essayez de, pre de prendre l'idée euh, du quêteux, qu'on dit au, en québécois, ou du mendiant. Euh, imaginez que c'est son chapeau. <laughs> Donc si le chapeau est à l'envers, il risque de récolter beaucoup plus que le chapeau qui serait sur sa tête. Donc c'est un peu ça qui nous fait rappeler que le chapeau à l'envers est l'équivalent, dans le fond, de la ronde. Le chapeau sur la tête ou le chapeau à l'endroit, si vous voulez, est l'équivalent de la blanche. Il vaut moins. Donc c'est un peu... Euh, c'est un truc pour s'en souvenir, bien sûr. Euh, donc voilà pour ce qui est des notes en tant que telles. J'aimerais bien savoir si pour l'instant tout le monde suit. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que ça semble clair? Est-ce que vous avez des questions par rapport aux deux encadrés qu'on a vus pour l'instant? Donc je vous donne euh, la chance de me répondre. Puis en même temps, ça va me permettre de vérifier que tout le monde est encore là et que tout fonctionne. Donc je vous donne à peu près 7-8 secondes pour euh, ça parce que je vois qu'on a un délai toujours d'à peu près ça, 12 secondes, 15 secondes. Donc euh, voilà. Est-ce que tout est bon pour vous? Si oui, on va passer au prochain encadré. Donc, on attend. Oui, c'est clair. Fantastique. Merci beaucoup, Martine. Euh, voilà pour ça. On retourne. Oui, excellent. Fantastique. Merci, Sad. Euh, je retourne à notre encadré ici. Allons voir l'encadré B cette fois-ci. Bon, l'encadré B, il y a euh, deux thèmes, si vous voulez. La, la ligne du haut, c'est un thème la ligne du bas, c'est un autre thème. Donc, la ligne du haut, dans le fond, qu'est-ce que c'est ce sont des, ce qu'on appelle des altérations. Lorsqu'on a des notes écrites dans une portée et que les notes n'ont aucune altération, c'est-à-dire que juste à gauche des notes, il n'y a pas de dièse, bécard ou bémol comme vous voyez, à ce moment-là, vous faites les notes naturelles, c'est-à-dire do, ré, mi, fa, sol, la, si, tout simplement. Si vous avez des altérations, c'est-à-dire justement, on y va de gauche à droite, le dièse, ensuite la deuxième, donc c'est la ligne du haut de l'encadré B, donc on avait le dièse à gauche, ensuite on, avait, on a le bécard et ensuite le bémol. Donc si vous rencontrez ces symboles-là, c'est que vous avez des notes qui sont justement diésées euh, et donc ça veut euh, dire altérées, excusez-moi. Des notes altérées, et donc ça fait des notes, exemple comme un Do dièse, un Ré dièse, un Mi dièse qu'on va appeler. Et ce petit dièse-là, vous allez toujours le, le voir à gauche de la note écrite dans la partition. Il va être soit juste avant la note, donc juste à sa gauche, pour que nos yeux voient le dièse juste avant de l'exécuter. Et donc, qu'on ne, qu ne fasse pas un Do, mais un bien un Do dièse, par exemple. Ou qu'on ne fasse pas un Ré, mais qu'on fasse bien un Ré dièse. Donc, toujours écrit un, un, juste avant la note à gauche. Ou il peut se retrouver à l'armature. Qu'est-ce que c'est l'armature mais Ça se trouve à être juste à côté des clés. Donc, imaginez que sur la portée, euh, sur la portée A, bon, on est au violon, donc on joue en clé de sol. Imaginez que où -ce qu il y a euh, la clé de sol, juste à côté, vous pourriez voir des dièses aussi. Il y a un ordre précis, je ne rentrerai pas dans les détails, mais bref, il pourrait se retrouver là, les dièses. Et s'ils se retrouvent à l'armature, à ce moment-là, les dièses ou les bémols, là, je dis, ce n'est pas seulement les dièses, mais ils vont durer pour toutes les notes de la pièce. Donc, par exemple, si vous avez un dièse sur le Fa, bien, tous vos Fa vont être dièses à travers toute la pièce. Par contre, si l'altération est écrite juste en avant d'une note, euh, ben à ce moment-là, elle va avoir euh, comme effet seulement cette note-là et toutes les notes qui auraient le même nom jusqu'à la fin de la mesure en tant que telle. Donc voilà, c'est beaucoup de choses euh, pour vous dire. Et je, euh, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un peu au niveau du violon qu'est-ce que ça donne dans le concret. Parce que c'est très, euh, très théorique ce que je viens de vous, de, vous, de, vous, de vous dire. Je reviens au tableau, en fait. Je vais vous montrer quelque chose. Il y a trois altérations, on le voit. Vous avez dièse, bécard et bémol. Le bécard, dans le fond, c'est celui qui, qui ramène toujours aux notes naturelles. Vous allez me dire oui, mais Jean-François, s'il n'y a rien d'écrit, euh, c'est des notes naturelles. Je suis d'accord. Mais le bécard permet d'annuler justement l'effet d'un dièse ou d'un bémol. Le bécard permet de dire, malgré le fait que normalement on devrait faire, une altération. Non, 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 je veux vraiment, le compositeur te le dit, je veux vraiment que ce soit la note naturelle. Donc, c'est une façon de, 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 de bien signifier qu'on veut une note naturelle. Donc, le bécard, si vous voulez, c'est l'équivalent d'avoir rien décrit <laughs> ou en fait d'annuler l'effet d'un dièse ou d'un bémol. Ensuite, à gauche, on le voit, le dièse qui ressemble un peu à un tic-tac-toe. Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va monter le son d'un demi-ton qu'on va appeler. C'est-à-dire que la note va être légèrement plus aiguë. Et à l'inverse, le bémol va venir baisser le son de la note d'un demi-ton, c'est-à-dire que la note va être légèrement plus grave. Maintenant, je vais vous montrer avec le violon qu'est-ce que ça donne. Donc, par exemple, sur la corde de l'air, j'ai un do. Donc, je vais jouer le deuxième doigt ici, do. Maintenant, si j'avais un dièse, il faut que je monte, on le dit très légèrement. Donc, du Do, si je mets un dièse, ça va devenir, je monte le doigt vers moi, donc d'une position, et ça va devenir Do dièse. Voilà comme ça. Si, euh, exemple, j'avais un Si, donc premier doigt sur la corde de la. Et là, on vient de rencontrer un bémol. Il va falloir reculer en mettant le doigt plus vers la volute. Donc, je voyais cette semaine quelqu'un qui se demandait comment faire un si bémol dans le groupe violoniste débutant. Mais c'est exactement comme ça. Vous allez prendre votre premier doigt. Vous allez le mettre au siet. Et donc, juste à côté du si comme ça, ça devient un si bémol. Donc, vous aviez si, si bémol, si. On recule le doigt vers la volute. Si bémol. Donc, vous voyez dans le fond l'effet des dièses et des bémols. C'est tout le temps, et je vous le montre sur le violon en tant que tel, vous avez ici la possibilité de mettre un doigt, donc aussi juste à côté du sillet, sur le collant, entre les deux collants, c'est-à-dire quand vous collez votre doigt avec le premier, ici sur les deux collants, entre les deux ici. Donc, on a bien sûr notre position de base, qui est équivalente à notre premier groupement ici. Mais vous pouvez jouer justement, quand il y a des grands espaces, vous pouvez jouer justement entre les collants et ça se trouve à être des demi-tons. Donc voilà qu ce qu'il y en a euh, de la théorie. Mais à ce moment-là, c'est ça. Quand vous pensez à. Vous voyez un bémol, votre doigt va passer d'une position vers celle qui est juste au-dessus. Donc un demi-ton plus bas. Et là, vous allez me dire Ouais, mais tu montes. <laughs> Attention, c'est plus bas au niveau du son. Quand vous allez vers la volute, ça va baisser votre son. Quand vous passez de, euh, quand vous allez un demi-ton plus haut, justement, quand on baisse ici visuellement, ça va faire un son qui est plus aigu. En fait, c'est plus ça va proche de vous, plus le son est aigu, plus on s'en va vers la volute, plus le son est bas. Donc voilà pour ça, nos, nos dièses et nos bémols vont changer d'une petite position notre doigt. Et c'est comme ça qu'on qu va dans le fond analyser quand on voit. Ces dièse ou ces bémols là de, dans notre partition. On part de notre position de base, c'est-à-dire où le doigt devrait être pour produire une note naturelle. Et à ce moment-là, on va déplacer d'une petite position comme ça. Donc, euh, c'est l'équivalent, dans le fond, de deux doigts qui seraient collés ensemble. Voilà pour ça. Euh, ensuite, juste en dessous de ça, on a un autre thème si vous voulez. Vous avez une espèce de petit carré qui, euh, qui n'est pas fermé. Et même chose, après, juste à côté, vous avez un, un triangle, si vous voulez, ou un V, un triangle qui n'est pas fermé, ou un V, et vous avez une petite virgule. Et ça, ça va vraiment, euh, ça n'a pas de, de lien avec les altérations. C'est un autre thème. En fait, j'aurais dû peut-être faire un autre encadré. Ça se trouve à être euh, des indications pour l'archet. Donc, quand vous voyez, je vais remettre le, le, le tableau, quand vous voyez le carré comme ça, quand vous voyez le carré, ça veut dire d'aller vers le bas ou ce qu'on appelle au niveau du violon de tirer. Donc, je vous montre qu ce que ça donne. On tire. Quand vous voyez le V ou le triangle qui n'est pas fermé, il faut pousser. Donc, on va dans l'autre direction. On monte, si vous voulez. Donc, on tire ou on pousse. Maintenant... Il va arriver dans les partitions comme ça, que bon, on tire, on pousse, on alterne tout le temps au violon, mais il va arriver où est-ce qu'on veut vraiment, le compositeur veut vraiment faire en sorte que vous avez tiré une première note, et il veut vraiment vous faire tirer encore une autre fois, parce que, par exemple, le son quand on tire est un peu différent de quand on pousse, mais à ce moment-là, il faut qu'il trouve une façon de vous dire non, « non, non, reviens ici au talon et tire de nouveau ». Et c'est le symbole que vous avez vu, la petite virgule. Euh, la petite virgule en tant que telle, là, elle est écrite comme ça. Dans certaines partitions, elle est beaucoup plus grosse. Ça ressemble à une grosse virgule euh, et des fois, je vois une grosse virgule et un trait à travers. Mais c'est toujours la même indication. Ce qu'on veut, c'est faire une reprise d'archet. C'est-à-dire qu'on va tirer notre note. Exemple, si on venait de tirer et on voit cette virgule-là, on va venir se replacer ici pour pouvoir tirer de nouveau. Vous voyez Et ça serait la même chose pour ce qui est de pousser. Si vous voyez, vous avez un poussé, une petite virgule et un autre poussé, ça serait exactement la même chose. On pousse, on voit la virgule, on fait une reprise d'archet et on va pousser de nouveau. Bien sûr, tout ça peut se faire assez lentement si vous avez, par exemple, des silences pendant lesquels vous voyez la virgule. Donc, on le fait vraiment comme ça, les, euh, assez. Euh, on prend notre temps. Par contre, si c'est entre deux notes qui sont assez rapides, il faut que notre mouvement soit rapide. Il faut s'assurer aussi quand on va redéposer notre archet, mais on dépose bien sans produire de son. Donc voilà, ce sont des, des, des petits trucs, mais la virgule veut toujours dire ça quand on, on va en musique comme ça. Ensuite, regardons un autre encadré. Vous avez l'encadré D. Bon, j'aime beaucoup l'encadré D parce que. Euh, tous connaissent euh, un peu ça ou vous savez que ça existe sans nécessairement savoir comment c'est écrit. C'est ce qu'on appelle des nuances. Et en, euh, des nuances en musique, euh, ça part de justement les deux P à gauche, c'est ce qu'on appelle pianissimo. Le P qui est juste tout seul, on appelle ça piano. Et je vais revenir par rapport à la nomenclature. Ensuite, MP. C'est mezzo piano. Ensuite, on a le mezzo forte, forte et fortissimo. Donc déjà là, dans les noms, vous pouvez comprendre que fortissimo c'est probablement assez fort. Et vous avez raison. Et piano, ça va être doux. Maintenant, c'est un peu spécial parce que on est habitué d'entendre le mot piano en tant que tel. Puis on se dit, ok, mais un piano, c'est un instrument. Euh, on est habitué que de jouer sur un piano, d'aimer le piano, de jouer du piano. Euh, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le piano, justement, l'instrument a été nommé comme ça à cause de la nuance. Okay? Je vous explique. Au début, quand, un piano, quand le piano a été créé, en fait, qu'est-ce qu'ils ont créé C'est un instrument qui permettait de, de jouer avec deux forces. Forte, donc qui est le terme italien pour dire fort, et euh, piano, qui est le terme italien pour dire jouer doux. Okay. Et vous aviez une switch ou une pédale, ou je ne sais pas exactement comment, je ne bon, je, je suis pas très bon en termes d'histoire de la musique, mais bref, y il avait, y avait une façon de jouer fort et une façon de jouer doux. Est-ce que c'était deux claviers différents Est-ce que c'était une switch Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que le premier piano, justement, euh, nous permettait de jouer fort ou doux. Et on a décidé de l'appeler, étant donné que c'était comme ça, on a décidé de l'appeler le piano forté. Mais vous savez qu'est-ce qui arrive hein, dans, dans la vie quand on décide de, de, de nommer quelqu'un Jean-François, 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 donné, on se fatigue, on finit par dire GF. <laughs> c'est la même chose qui est arrivée avec le piano. On a dit le piano forté, le piano forté, le piano forté, le, le, le piano, le piano. Ok, c'est un piano. <laughs> Et c'est ça qui est arrivé. Et finalement, dans le fond, le mot qui voulait dire doux est devenu le mot pour parler de l'instrument en tant que tel. Donc, revenons à la base. Comprenons que le mot piano veut dire jouer doucement, justement, en musique, c'est un terme italien, justement. Et donc, à ce moment-là, quand on voit piano, on ne pense pas à l'instrument, on pense bien à la nuance. Donc, je reviens au tableau. Pianissimo, c'est deux P, donc ça veut dire deux fois plus doux. C'est vraiment là euh, très, très, très silencieux, à peine audible. OK, vous avez aussi trois P, mais là, tout dépend de... Des, des, des compositeurs. Quand on voit normalement 2P, là, il faut vraiment jouer pas fort. Ensuite, on a le P, justement, qui est de jouer doux. MP, bien, vous voyez, quand on passe de gauche à droite, on augmente tout le temps un peu, euh, si vous voulez, euh, le nombre de décibels. On augmente, dans le fond, le volume tout le temps. MP, c'est mezzo piano. Mezzo qui veut dire moyennement. Donc, à ce moment-là, on sait, c'est moyennement doux. Donc, pas trop fort, mais en même temps un petit peu plus fort que piano. Ensuite, mezzo forte, moyennement fort. Vous avez le forte qui est justement fort. Et deux F, fortissimo, qui va être justement très fort. Donc vous voyez de gauche à droite, ce sont, ce sont euh, les différentes nuances. Maintenant, euh, en dessous, je vous ai, je vous ai mis deux euh, signes qui ressemblent beaucoup à euh, plus petit que ou plus grand que. Euh, mais allongés. Et ça, ces deux signes-là, on, on va appeler ça. À gauche, on appelle ça un crescendo. À droite, on appelle ça un décrescendo. Et ces symboles-là, quand vous les rencontrez en musique, ce que ça va venir nous dire dans le fond, c'est que vous partez de la nuance actuelle que vous faites. Par exemple, vous êtes piano, okay? et là, vous voyez justement ce, ce symbole-là, plus petit que qui augmente. Donc, vous êtes en train de lire, et là, vous voyez justement, ce symbole-là jusqu'à une autre euh, nuance. Ce que ça veut dire, c'est part de piano, par exemple, et admettons à la fin que vous avez forté. Donc vous partez de piano, vous allez jusqu'à forté, mais à travers plusieurs notes. Donc c'est un, c'est pas on change automatiquement, comme si, admettons, on avait marqué piano et un peu plus tard on marque forté. À ce moment-là, on joue piano tout le long, puis rendu long, on est rendu fort. Là, ce n'est pas le cas ici. Quand on voit un crescendo, on va faire graduellement à travers toutes les notes jusqu'à temps qu'on arrive fort. Donc c'est un peu le principe du crescendo. Le décrescendo, c'est exactement l'inverse. Vous commencez à parler fort puis à un moment donné vous arrêtez. Donc c'est vraiment ça ici. On va faire un décrescendo et on va justement réduire notre volume graduellement à travers plusieurs notes. Ça va pour tout le monde Ok. Donc voilà pour ça. On s'en va, euh, on s'en va au dernier encadré. Euh, c'est un encadré qui est vraiment euh, intéressant et je voulais dans le fond vous amener sur ce qu'on appelle des articulations. Donc, on a les nuances qui viennent parler vraiment du, euh, du volume, on l'a vu jusqu'à maintenant, mais vous avez aussi des articulations. Et, que, et les articulations, pourquoi on appelle ça comme ça Ça vient des instruments avant, dans le fond. Dans les instruments avant... Lorsqu'on met notre langue et on fait une différente, on appelle ça des attaques sur les notes, comment on va attaquer notre, notre note ou comment on va justement positionner notre langue quand on va faire notre, notre souffle dans le fond, on va souffler dans l'instrument, bien, ça va donner des notes qui sont courtes, des notes qui sont longues des notes qui sont reliées entre elles, des notes qui sont marquées. Par exemple, si on, on parce que moi j'ai déjà joué du trombone à l'époque avec l'harmonie de mon école, si on faisait, exemple, un K avec notre langue et qu'on soufflait de manière sec, ça produisait une attaque. Ça produisait une note qui était marquée. Donc, ce qu'on appelle un marcato. Et ça, si vous regardez dans le cadre E, c'est la troisième, c'est la troisième. Euh, euh, la troisième note, là, vous voyez l'espèce de petit décrescendo, ça ressemble à un décrescendo, mais vraiment très court, donc vraiment un signe plus, plus grand que, ici, dans ce cas-ci, mais juste au-dessus de la note. Donc, à ce moment-là, ça, c'est vraiment une attaque. On veut avoir « quand ». On veut vraiment sentir, justement, cette attaque, une note qui est marquée. Maintenant, si on y va de gauche à droite, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y en a. La première à gauche... Vous avez la note avec un petit point au-dessus. Quand, quand le petit point est au-dessus, bien important, et non pas à côté, ça c'est autre chose, c'est une note pointée. Mais quand le point est au-dessus, on va appeler ça un staccato. Donc le petit point, c'est un staccato. Et ce que ça veut dire, c'est qu'on va vouloir faire des, une note qui est courte. Donc un compositeur, lorsqu'il vous met un petit point au-dessus d'une note, il veut, je veux des notes courtes. Ensuite. Vous avez le tenuto juste à droite. Le tenuto, c'est une petite barre qui est juste au-dessus de la note. Ensuite, vous avez un accent qui est juste à droite, la troisième. Et finalement, le quatrième à droite, c'est l'équivalent, si vous voulez, d'un accent et euh, une note courte. Donc, c'est comme, si vous voulez, une combinaison entre la première et la troisième. <laughs> Donc, c'est comme un, un staccato plus un accent ensemble. Donc, c'est court et accentué. C et ça, ça se retrouve à être un accent circonflexe. Donc, ça, ce sont des articulations, justement. Mais pour vous montrer euh, vraiment qu'est-ce que ça donne, je vais le faire avec mon instrument. Donc, je vais monter et de, redescendre sur la corde de la en utilisant le staccato donc les petits points. Voici qu'est-ce que ça donnerait. On revoit, ce sont des notes courtes, okay? Dans certaines partitions, ça peut vouloir dire aussi des notes qui sont euh, en spicato. Je ne débarrerai pas parce que c'est vraiment une technique un peu plus difficile à, ré, à réussir, mais c'est vraiment dans le fond de faire ça ici. Donc, ça donnerait ça. Donc, vous voyez, ce sont des notes qui sont sautillantes. Donc, dans certaines partitions, le staccato veut dire justement des notes sautillantes. Dans certaines autres partitions, ça veut dire des notes qui sont justement... Ben, ça veut dire spicato. Ou des notes courtes, staccato. Ensuite, vous avez le deuxième, je vous remontre. C'est ça. Le deuxième, c'est le tenuto. Donc, ce que ça nous oblige, c'est que normalement, quand on fait une note en musique, on laisse toujours une petite aération. Okay. C'est rare qu'on va faire une note qui vraiment dure la pleine longueur de la note. C'est rare que vous allez entendre un musicien faire. Donc, et du du durer toute la note. Souvent, ce qu'on va faire comme note, lorsque ce n'est pas écrit autrement, c'est qu'on fait ça ici. Donc, on appelle ça des petits portés. Et ce que ça fait dans le fond, c'est que notre note est à peu près, euh, si vous voulez, aux deux tiers jouée et le dernier tiers. On respire entre les notes, si vous voulez. Par contre, lorsqu'on a justement, comme dans le tableau, une petite barre, ça nous oblige justement à faire qu'est-ce que je vous montrais, c'est-à-dire des notes qui sont pleines, des notes qui sont continues. Maintenant, il y a certaines variations. Dans certaines partitions, euh, certains compositeurs vont l'utiliser pour dire que ce sont des notes qui ont aussi euh, un certain rebond, euh, pas un certain rebond, excusez-moi. On va appeler ça un louré. Donc, ça va, on appuie, on relâche, on appuie, on relâche. Par exemple, comme ça ici. Donc, c'est vraiment pression, relâche, pression, relâche. Euh, D'autres, ça veut dire des notes qui sont longues, continues, comme j'ai fait juste avant. Donc, il y a certaines variations. C'est pas toujours exactement le même la même façon qu'on va faire chacune de, de ces euh, chacun de ces ténutos. Par contre, ça va être souvent relié au style d'une pièce. On va s'habituer à ce qu'un compositeur demande telle chose, ou on va déduire que et il y a des spécialistes qui évidemment vont pouvoir dire ah oui attention dans tel style de pièce on va utiliser tel type de coup d'archet justement. Je pense entre autres à quand je, on joue du Vivaldi. Vivaldi est reconnu pour être très euh, pour avoir des, 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 un jeu qui est très présent, une, une présence, une sévérité. Et souvent, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que dans presque toutes ces notes, même si ce n'est pas écrit, on va utiliser des archets qui sont plus pleins que pour d'autres compositeurs, pour avoir justement une présence davantage. Donc, voilà, ça dépend un peu du style. Mais grosso modo, point, note courte, une petite barre ou un tenuto, ça va être une note qui est plus longue. Ça, c'est la théorie de manière générale. Ensuite, vous avez l'accent. Je vous remonte dans le tableau. C'était le troisième. Donc, dans la quadrée E, la 1, 2, 3 à partir de la gauche. Donc, vous voyez l'espèce de petit euh, décro euh, décroissant. Si euh, Qu'est-ce que je pourrais dire? Euh, plus grand que, le symbole plus grand que. Et donc, ça va donner des notes qui sont accentuées. Vous voyez les accents. Donc, ça, ça permet justement d'avoir une bonne attaque. Et souvent, on en voit beaucoup, beaucoup dans le cinéma. Quand vous avez soudainement quelque chose qui arrive, exemple, vous pensez à un, pensez à un film d'horreur. Et soudainement, vous avez justement, euh, je ne sais pas moi, le, 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 le monstre qui arrive. Bang On veut avoir justement une attaque. Mais à ce moment-là, justement, on va faire un accent comme ça. Si après, vous avez, je reviens au tableau. Euh, le quatrième exemple, ça se trouve être un accent, mais court aussi. Donc, je vous le fais un, une fois, ça va donner la même chose avec un accent, mais court. Donc, c'est vraiment une question de mettre de la pression. Pression relâche au niveau de, de notre index. Regardez bien. Avec notre pouce qui est bien placé, comme on a vu dans un autre webinaire, et notre index, justement, à la deuxième phalange, on peut mettre de la pression sur notre archet. Regardez bien l'archet, vous allez voir, dans le centre, elle va plier comme ça lorsque je, ces deux doigts-là euh, mettent de la pression chacun de leur côté. Et le but pour faire justement des notes qui sont accentuées, c'est qu'on va mettre un petit coup avec, avec notre, notre index. Donc on le voit le centre de l'archet, hein? Donc, le coup avec l'index et la pression qu'on va faire momentanément entre ces deux doigts-là va nous permettre de faire justement des accents ou faire euh, du marcato. Donc, voilà pour ça. Je voulais juste être certain que pour l'instant, est-ce que tout le monde suit Est-ce que tout est correct Prenez le temps d'écrire et je vais terminer l'encadré le, justement. Donc, on regarde en dessous de ça. Vous avez une note avec un TR. Donc, le TR, c'est ce qu'on appelle un trille. Et ça se fait. Toujours comme ça. La note qui est écrite, on va la jouer, mais on va aussi alterner entre cette note-là et la note qui, dans la gamme dans laquelle on est, dans la pièce, est juste au-dessus. Par exemple, si j'ai... Euh, bon, la pièce est écrite en Do et que je joue justement un Do. Donc, je vais alterner entre le Do et mon Ré, donc la note qui est juste au-dessus. Est-ce que ça va faire? Ça va donner ça ici. Voilà un tri. Et on commence toujours sur la note. Pour ça que je ne sais pas si je l'ai joué pour que vous l'entendiez bien. Elle, c'est le Do. Donc, dans la partition, ça serait écrit le Do et un TR au-dessus. Ça donne justement, on joue le Do et c'est notre Ré qu'on va venir, euh, euh, qu va faire les avec lequel on va faire les battements. Donc, Do, Ré, Do. Donc, ça peut être direct aussi. Donc, comme vous pouvez voir, c'est ça un trille, justement. C'est toujours la note écrite, plus on fait des battements avec la note du dessus. Donc, ça, c'est assez intéressant pour les effets de style. Martine me dit, ça marche, fantastique. On continue avec. Ça, c'était le trille. Ensuite, je veux vous montrer. Ça, c'est vraiment intéressant. Et là, soudainement, j'ai un blanc de mémoire. Ah, c'est un trémolo. Voilà, la deuxième, c'est un trémolo. Donc, un trémolo, ça, c'est. C'est vraiment intéressant et c'est beaucoup utilisé aussi au cinéma en ce moment quand on veut faire euh, quand on veut mettre de l'ambiance. On dirait que j'ai tout le temps le, le film d'horreur en tête, mais c'est un, un peu ça et si vous allez voir. Mettons que je m'en vais sur la corde de sol, je vais faire un deuxième doigt et je vais faire un trémolo. Qu'est-ce que c'est un trémolo C'est de jouer très rapidement en tirant-poussant, tirant-poussant, tirant-poussant. Et ça donne un peu cet effet-là. Vous voyez déjà le film d'horreur. <laughs> c'est ça. Donc, ça se trouve à être vraiment des un trémolo, c'est comme ça. Vous avez remarqué aussi que quand j'ai commencé puis j'ai fait le trémolo sur la corde de sol, j'ai aussi fait un accent et ça permet de faire encore plus dramatique. Et on peut jouer justement avec notre pression comme ça pour faire en sorte que ça devienne intéressant. Donc, le trémolo, c'est vraiment, vraiment intéressant. Et c'est encore plus intéressant quand on a plusieurs violons qui le font en même temps parce qu'on n'arrive plus à discerner le tir-pouce-tire-pousse. On entend juste cette espèce de nervosité dans la façon d'écrire notre euh, la, la partition. Et ça devient justement, ça vient nous chercher en dedans. Donc c'est vraiment des, des beaux petits effets de style qui vont faire en sorte que la pièce devienne intéressante. Et finalement, on va regarder. On a juste à droite de ça une espèce de ligne courbe avec un petit point en dessous. Et qu'est-ce que c'est ça? C'est ce qu'on appelle un point d'orgue. Un point d'orgue, qu'est-ce que ça nous dit? C'est oublie euh, oublie le métronome, oublie euh, la valeur de la note, comme par exemple ici on a une blanche en dessous de notre point d'orgue. Oublie la valeur d'une blanche. Normalement, admettons qu'elle vaut un, un deux temps, ma blanche. Ben oublie ça. On va l'étirer et on va l'étirer comment? Jusqu'à ce que le chef d'orchestre nous dise de continuer, c'est-à-dire, ben ça va être au, au, au désir du chef d'orchestre ou au désir du musicien qui va être en charge. Donc, par exemple, si vous jouez du violon, vous êtes le lead et vous avez un piano, le pianiste va vous regarder pour voir quand est-ce que vous allez continuer pour pouvoir faire son prochain accord. Donc, un point d'orgue, c'est justement, on oublie notre métrique et on soutient la note et normalement. C'est à peu près deux fois la durée qui est écrite. Donc, si vous avez une blanche, normalement, c'est approximativement plutôt que deux temps, quatre temps. Par contre, euh, c'est vraiment au gré du musicien. Euh, il y a certaines indi com indications comme ça en musique qui se trouvent à être vraiment selon l'interprétation du musicien. Le point d'orgue en est une. Et quand vous voyez, exemple, ritenuto, euh, ritenuto veut dire euh, retenir, c'est-à-dire jouer de plus en plus lentement, ou. Euh, euh, je vais-tu dire « ritunto » ou « ralentendo », qui est « ralentir », justement. Euh, ou, par exemple, si vous voyez euh, « rubato ».« Rubato » veut dire « OK, je te donne grosso modo, oui, les, les rythmes à, à jouer, mais vas-y avec ton feeling personnel un peu. Donc, rajoute-moi un peu de rubato, justement, là-dedans. » Si tu sens que la note, tu pourrais l'étirer un peu plus pour faire plus Intéressant pour faire plus beau pour, pour venir faire un effet dramatique, etc. Ben, joue en rubateau, justement, dans cette partie là. Et souvent, ça va être utilisé dans la musique romantique, ok. Où est-ce qu'on va, euh, va donner un petit peu plus le, le choix d'interprétation aux musiciens? Mais bref, dans ce cas-ci, le point d'orgue, c'est vraiment sur une note. On veut que cette note là soit justement allongée au gré du musicien ou du chef d'orchestre. Et pour une valeur qui est approximativement deux fois, mais ça peut être deux fois et demi, ça peut être une fois et demi, ça peut à ce moment-là c'est vraiment une question d'interprétation. Et finalement, regardez bien en dessous, vous avez c'est le dernier exemple de l'encadré E, vous avez ce qu'on appelle une liaison. Donc vous avez deux notes dans ce cas-ci là ici, et vous avez une petite ligne courbe entre les deux. Bon, la petite ligne courbe, c'est ce qu'on appelle justement une liaison. On va dire de ces deux notes qu'elles sont liées. Et quand on a justement des notes liées, ce que ça veut dire, c'est qu'on va utiliser le même coup d'archet pour faire les deux notes. Par exemple, je vois, j'ai justement celui qui était écrit là et ici. Plutôt que d'en tirer une et de pousser l'autre après, ce que je vais faire, c'est que je vais en tirer une première et je vais tirer encore l'autre. Euh, je n'entrerai pas dans les détails des liaisons parce qu'il y a plusieurs types de liaisons. Il y a des liaisons de prolongation, il y a des liaisons qui se trouvent à être des tirs-tirs ou des pouces-pouces. L'exemple qui est écrit ici, c'est le seul que je vais montrer aujourd'hui, c'est lorsqu'on fait deux notes liées ensemble et qu'on va tirer la première et la deuxième aussi, mais sans arrêt entre les deux. Vous voyez? Donc c'est le même coup d'archet, il n'y a pas eu d'arrêt entre les deux. C'est vraiment une liaison et ça fait des notes qui sont bien coulantes. Imaginez si j'en fais euh, quatre notes qui sont liées ensemble. Donc vous voyez un peu qu'est-ce que ça donne au niveau du son. C'est une grosse différence par rapport à si les notes n'étaient pas liées. Comme vous pouvez voir, c'est beaucoup plus détaché lorsqu'on le fait comme ça. Et justement, de, ça vient de là la, le, le terme liaison. Les notes vont être plus détachées lorsqu'elles ne sont pas justement liées entre elles. Donc on, on le sent, là, là, la question que les notes sont liées, qu'elles qu qu sont coulantes, si vous voulez, versus avoir des notes qui sont détachées. Et donc on sent. Versus. Mais bien sûr, ça demande de la synchronisation. Parce que ce qu'on veut, c'est que les, do les doigts, justement, arrivent exactement au bon moment pour, justement, entendre cette liaison-là. Parce que si les doigts sont un peu en retard, exemple, lorsqu'on fait une liaison entre, entre deux cordes, on risque d'entendre le dépôt des doigts. Ça risque d'être pas trop élégant. Mais bref, une liaison, c'est exactement ça. Ça fait des notes qui sont plus coulantes ensemble. Donc, voilà, c'était tout ce qu'on a appris pour les. Euh, pour... Euh, ces différents exemples de, de symboles que vous allez rencontrer en musique. Euh, J'espère que vous avez pris des notes parce que ça va vous permettre justement quand vous rencontrez ces différents symboles-là. Et il y en a beaucoup d'autres, il faut s'entendre. Là aujourd'hui, je ne fais que vous montrer quelques exemples. Euh, si vous voulez bien sûr voir tous les exemples, bien, je vous invite à vous abonner euh, au cours Violoniste débutant qui est notre cours euh, chez Mildor Violon où on vous montre... Euh, vraiment comment jouer de A à Z, incluant la lecture et euh, l'analyse de la musique, euh, faire du solfège. Donc, vous avez dans le fond tout ce que vous avez besoin pour jouer du violon. Donc, je reviens à vous. Je voulais savoir de 1, est-ce que vous avez des questions Deux, euh, est-ce qu'il y a certains symboles que vous auriez rencontrés en cours de semaine euh, que vous vous demandez, bon, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous, il y a des symboles ou des termes musicaux peut-être qui qui, que vous avez rencontrés? Euh, j'ai parlé rubato, j'ai dit retenuto tantôt. Il y a plusieurs mots comme ça euh, qui veulent dire certaines choses et vous savez peut-être pas qu'est-ce que ça veut dire. Donc, j'aimerais savoir justement quelles sont vos questions. On a toujours une période de questions ouvertes. Donc, prenez le temps d'y réfléchir et entre-temps, je vous ai parlé du cours violoniste débutant. Le cours violoniste débutant, c'est euh, 80 capsules vidéo, c'est plus de 11 heures de contenu vidéo. Et pour vous donner un petit aperçu, voici une petite promo qui va vous montrer qu'est-ce que vous pouvez avoir justement avec le cours violoniste débutant. Bonjour aux futurs violonistes. Si vous rêvez de jouer du violon, le site MildorViolon.com a exactement ce qu'il vous faut. Des cours en ligne pour apprendre le violon chez vous, à votre rythme et selon votre horaire. Tutoriels vidéo, partitions, accompagnement pour apprendre solidement les bases du violon. Cliquez simplement sur « S'inscrire au cours » et jouez enfin du violon comme vous en rêvez. Tutoriels vidéo, partitions, accompagnement. Apprenez le violon en ligne dès maintenant sur mildorviolon.com Donc voilà. Le cours violoniste débutant, c'est le cours principal chez Mildor Violon et c'est ce qui va vous permettre d'apprendre le violon de A à Z. Bien sûr, c'est sur Internet, donc c'est dans le confort de votre demeure. Vous avez accès à tout notre contenu vidéo, ce qui fait en sorte que vous pouvez euh, passer certaines, certaines choses, aller à ce que vous voulez vraiment savoir. Vous pouvez au contraire suivre étape par étape et apprendre à jouer du violon vraiment avec l'assurance de toujours comprendre d'une de, de, euh, capsule à l'autre. Vous avez aussi la chance de nous de me rencontrer euh, pour pouvoir faire justement une séance en privé euh, pour que je puisse dans le fond vous enseigner, euh, pour regarder dans le fond qu'est-ce que vous jouez, est-ce que votre technique est bonne, essayer de vous orienter, vous donner des trucs, vous motiver. Euh, mais essentiellement, justement, c'est ça, c'est que vous avez accès à 11 heures de contenu vidéo et vous apprenez par vous-même la musique, c'est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, si vous, avez, vous tombez en vacances, vous dites Là, j'ai plus de temps, ça me tente, je veux jouer du violon ben parfait, vous pouvez vous taper 70 capsules en une semaine et pas dormir. <laughs> Ou vous pouvez dire que bref, il y a certaines semaines où bon, j'ai moins nécessairement le temps. Vous allez à votre rythme, vous ralentissez, vous allez un peu plus vite une autre fois. Euh, bon, bref, vous allez à votre rythme, selon votre horaire aussi. Donc, si justement vous arrivez, vous avez un, un, un petit trou là, dans la matinée, vous dites Ah, j'aimerais ça jouer du violon. Ça ne fonctionne pas nécessairement avec un cours en privé. Par contre, vous pouvez avancer déjà par vous-même. Dites-vous une chose à date, et on a, on a des sondages qui, euh, qui, euh, qui ont été faits à partir du dernier mois. Le cours violoniste débutant, je suis très content de vous le dire en ce moment, a, et c est, c est pas, je n'invente pas, j'ai les, les chiffres à l'appui de mon côté, a 100% de clients satisfaits à date. 100%. Je ne dis pas qu'il peut y avoir quelqu'un qui finalement trouve que ça ne fonctionne pas éventuellement, mais pour l'instant, moi, de un, je suis très ému de pouvoir voir ça. Euh, parmi tous ceux qui ont répondu au sondage, le taux de satisfaction est de 100%. Et la note que les gens nous accordent est de 92, euh, c'est exactement 92%. Donc, euh, bien sûr, il y a des choses qu'on, qu à chaque fois que les gens nous disent c'est très bien, mais j'aimerais avoir telle chose. Parfait, on le fait. Ok, on prend vraiment votre opinion et puis on s'assure de toujours faire une mise à jour sur nos cours pour s'assurer que ce soit. Écoute, notre objectif c'est que ce soit le meilleur cours de violon. Point final. On veut s'assurer que vous ayez toute l'information. Et à date, avec ces statistiques-là, on est vraiment très heureux, mais on reste à l'écoute. On veut vraiment que ce soit la meilleure expérience possible. Donc, si vous pensez en ce moment à jouer peut-être du violon... Allez voir sur milledorviolon.com, allez, allez découvrir nos capsules gratuites pour commencer, vous allez voir un peu quest ce que ça donne. Et après ça, abonnez-vous et je vous le dis, vous ne serez pas déçus. On s'assure que vous ayez toute l'information, la bonne information. Et notre but, c'est de démocratiser l'apprentissage du violon pour très peu, c'est pas très cher, c'est 30 par mois. Vous allez pouvoir avoir la même chance que n'importe qui d'autre euh, de bien apprendre cet instrument. Sur ce, je reviens à vos questions. Suzanne qui dit super intéressant, merci beaucoup. Martine qui me fait quatre signes de, de, de thumbs up, merci beaucoup. Euh, donc, je voulais savoir, est-ce que vous aviez des questions? Est-ce que vous aviez justement rencontré euh, en cours de semaine des éléments ou des choses de, dans la musique? des... des des termes italiens euh, ou différents trucs que vous aimeriez savoir qu'est-ce que ça veut dire précisément, etc. Donc, je, je, c'est une période de questions ouvertes. J'ai un 20 minutes pour vous. Si je vois qu'il n'y a pas de questions, on va conclure tout simplement le webinaire pour aujourd'hui. Si je vois que vous avez des questions, ça me fait plaisir de vous y répondre. Et aussi, si vous vous dites, euh, j'aurais une question, mais pas nécessairement sur le sujet du jour, allez-y. Okay. Moi, mon but, c'est de vous permettre d'avoir accès justement à un professeur. Euh, aujourd'hui, je suis là. Euh, si je suis capable de vous donner quelques trucs pour vous aider à la maison, euh, faites-le. Donc euh, voilà, j'attends que les questions rentrent. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes sur YouTube, je vois qu'il y a beaucoup de personnes sur Facebook aujourd'hui. Je rappelle à ceux qui auraient des questions qui seraient dans le groupe Violoniste débutant. Euh, le groupe facebook Violonistes débutant qui est un excellent groupe pour pouvoir échanger, partager. vous ne pouvez pas écrire en ce moment dans le groupe violoniste débutant et que je, je ne vous verrai pas. donc, allez tout simplement cliquer sur mildor violon, la page de mildor violon et euh, venez me, me, me écrire justement à même euh, notre vidéo live qui se trouve à être sur notre page. donc, euh, voilà pour ça. Donc, je ne vois pas de questions qui arrivent, très intéressant pour les coups d'archet. Merci. Euh, euh, merci beaucoup, Marie-Blanche. Euh, en attendant, moi, je vais vous en poser des questions parce que je suis curieux de voir un peu les gens qui sont ici en ce moment. Ce que j'aimerais savoir, si vous êtes à l'écoute en ce moment, si c'est possible, écrivez-moi euh, combien de gens parmi vous vous êtes inscrits actuellement au cours violoniste débutant euh, parmi ceux là, qui sont qui fonctionnent. Donc, juste marquer « oui, je suis inscrit euh, ou je suis inscrite. Euh, et puis, ça me, ça me, je, je suis curieux de savoir ça. Vous pouvez encore une fois m'écrire euh, vos questions. Je n'ai pas de problème, je vous vois. Donc, euh, euh, voilà comme ça. Donc, qui sont inscrits? Ça, c'est la première question que j'aimerais savoir de votre côté. Donc, on attend, il y a toujours un petit délai. Euh, deuxième chose, en fait, écrivez, je vais vous poser toutes les questions que, que j'ai pour vous. Euh, Combien sont inscrits? Combien n'ont jamais eu de cours de violon? Combien euh, n'ont pas de violon actuellement? Euh, donc, vous n'avez pas encore votre instrument. Et donc, j'aimerais vraiment que, que, que les gens puissent répondre comme ça ici. Euh, Inscrit, Suzanne, oui, tout à fait, je suis content de te voir et je vois, quand, <laughs> je vois que tu t'es euh, logué récemment aussi. Donc,. Euh, Très bien. Euh, en fait, même je suis curieux, Suzanne, quelle est ton expérience pour l'instant Ça permettra aux gens qui sont en ce moment en direct euh, de pouvoir avoir une idée, euh, autre, autrement que par le professeur qui lui veut, euh, dans le fond, euh, vendre son cours. Je veux savoir, toi, comment a été ton, ton, euh, ton euh, expérience jusqu'à maintenant euh, Marie-Blanche, inscrite autodidacte, très bien. Euh, Est-ce qu'il y en a parmi vous qui n'ont pas de violon en ce moment? Je suis vraiment curieux de voir euh, si on a des gens justement qui sont sur, sur le bord de. Bon, je vois les, les réponses commencent à rentrer. Merci beaucoup pour toutes les infos. Pas de questions quand tu as répondu dans ta vidéo du jour. Parfait. Merci beaucoup, Delphine. Depuis trois ans, fantastique. Merci, Marie-Blanche. Donc, voilà pour ça. Euh, je vois, bon, je les vois rentrer. <laughs> « J'ai jamais eu de cours et je suis débutante, donc encore nul. <laughs> ben, c'est certain. On commence toujours en quelque part, hein, Suzanne? Dis-moi... Euh, c'est ça, dis, euh, si tu peux écrire comment tu as vécu ton expérience jusqu'à maintenant. Je, je suis vraiment curieux de, de voir comment tu aimes justement les cours euh, ou comment tu euh, comment tu ressens ton expérience avec Mildor Violon. Euh, bref, voilà pour ça. Je, je, ça semble être... Euh, « Jamais eu... » Ouais, c'est ça. Euh, ça semble être tout pour aujourd'hui. Euh, je suis là pour répondre à des questions si vous en avez. Je vous donne quand même une dernière chance de m'écrire. N'importe quelle question que vous, a, que vous pourriez avoir sur le violon, c'est ouvert. Maintenant, je, je, veux, euh, je veux pouvoir dire que je réponds à ce que vous avez comme problématique. Problématique avec l'archet, problématique avec le violon, comment vous tenir, comment euh, jouer efficacement ou vous avez quelque chose, un problème qui est récurrent. Euh, que vous, lorsque vous jouez, vous voyez toujours apparaître. Je veux pouvoir être là pour vous aujourd'hui. Donc, si je vois qu'il n'y a pas d'autres personnes, je vais vous donner quand même un petit 15-20 secondes là-dessus. Donc, voilà. Et on attend. On attend vos réponses. On attend un appel. Oui. Voilà, je suis comme, euh, comme dans Call TV. On attend vos appels. Il reste trois heures à l'émission. Est-ce que quelqu'un va appeler? <laughs> Donc voilà pour ça. Euh, ça semble être bon pour aujourd'hui. J'adore les capsules. Tout, ton cours est vraiment très bien. Merci beaucoup, Suzanne. Euh, fait, voilà. Bon, ben très bien. Écoutez, pour aujourd'hui, ça semble être, euh, être ce que vous aviez besoin de savoir. Je laisse encore un dernier petit 10 secondes pour me poser vos questions, euh, que ce soit des questions sur le violon, que ce soit sur l'archet, peu importe. Je suis là. Vous avez accès à un professeur en ce moment. Et puis, euh, je suis là pour répondre à toutes vos questions. Donc, c'est le temps de le faire. Sinon, ben on se retrouve dans le fond la semaine prochaine. Donc, je vois. Un petit peu. Bon, mais ben, ça semble être tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Merci beaucoup d'être parmi nous. C'est toujours un privilège pour moi de vous retrouver semaine après semaine après semaine euh, et de pouvoir répondre justement à vos questions comme ça. Euh, euh, je vous donne donc rendez-vous pour la semaine prochaine, pour le prochain webinaire en direct. C'est toujours les dimanches à 10h au Québec ou euh, à 16h euh, en Europe. Donc, merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui et je vous souhaite une très bonne semaine. Bye bye tout le monde. Tutoriel vidéo, partition, accompagnement. Apprenez le violon en ligne dès maintenant sur mildorviolon.com.